qui sont fragiles. On va peut-être commencer par là. Bah non, mais c'est vrai que normalement, en ce moment, on est quand même dans une ère où l'homme est tout puissant, quoi. On se prend pour Dieu, on invente plein de trucs, on est à fond sur l'intelligence artificielle et tout est technologie. Et je pense qu'il y a des moments où on perd un peu de vue qu'on est de simples mortels et qu'on est fragile et que tout seul, on s'en sort pas, quoi. Et que dans un combat face à une nature si puissante, bah, faut pas être dans un combat non plus, quoi. C'est pas, on n'est pas là dans une relation de domination. Il faut peut-être un peu remettre les choses à leur place, quoi, et commencer à vivre vraiment en harmonie, quoi, avec la nature et pas contre elle. Pas essayer de la cloisonner, de la contraindre, parce que ça marche un temps très court, et après le retour de bâton, il est violent. Oui, bien sûr. Si on appelle ça un bien, même titre que le vent, que l'air, que le feu, enfin, c'est un élément qui fait partie de quatre autres éléments, enfin trois autres éléments, et on n'a pas à être propriétaire de ça, quoi. On est gardien d'une terre, on a la chance d'habiter dessus, mais on est de simples passagers sur cet énorme vaisseau spatial, et on n'a pas à être propriétaire de quelque chose qui va être utile, profitable à tous et qui appartient à lui-même, quoi. C'est comment vivre tous de façon équitable sur cet océan, mais que l'océan ici, il trouve son compte. Faut pas oublier sa part à lui, quoi. Ça a tendance à rejoindre un peu le point numéro un, en fait. Ce qu'il va falloir remettre au centre des négociations et à différentes échelles, l'environnement, même pas seulement l'écologie, quoi. C'est juste de vivre d'une façon différente et mettre des modèles différents sur table, hein, et élaborer des nouveaux systèmes, si on n'y arrivera pas. On a de la chance d'avoir eu une petite crise, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire que juste que le virus est très transmissible mais n'est pas très mortel. Des crises, il y en aura d'autres. On sait très bien que le permafrost est en train de fondre, on sait qu'il y a d'autres catastrophes qui sont en train d'arriver, on sait qu'on a un réchauffement climatique qui arrive, qui va être sans précédent, et des drames, il va y en avoir d'autres. Donc il est temps de dessiner des nouveaux systèmes, des nouvelles façons de vivre ensemble, de façon plus égalitaire, quoi. C'est clair. Forcément, on attend des choses d'eux. Maintenant, ils vont pas pouvoir tout changer non plus en 3 semaines. Moi, j'espère vraiment que l'argent qu'ils vont mettre sur la table et l'argent qu'ils vont créer va pas partir simplement dans les énergies fossiles et à faire en sorte que les entreprises puissent remonter la pente de la même façon. Enfin, c'est-à-dire, c'est juste un système économique qui a changé, mais tout le monde en même temps et dans le même sens, quoi. C'est pour ça que je suis pas complètement défaitiste. C'est vrai qu'au début du confinement, tout le monde était en train de dire waouh, ça va changer, c'est exactement ce qu'on attendait. Après, ça a été exactement l'inverse, surtout quand on a vu l'agence américaine qui a commencé à délivrer des permis de polluer un peu dans tous les sens. Après, on s'est dit que finalement ça bougerait pas. Bon, il y a des trucs, il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui montrent que ça peut changer et qu'ils vont aller dans une bonne direction. Il y en a aussi qui montrent que non. Donc, comme il y a du pour et du contre, je préfère me dire qu'il y a de l'espoir et que ça peut changer, parce que c'est ancré, quoi. Parce que c'est là. C'est sûr qu'il va se passer quelque chose. De toute manière, on ne peut pas se leurrer. Hein. Si on ne change pas là, on aura encore une autre crise et le sujet il va revenir sur la table. Et tant qu'on n'aura pas compris, on va s'en prendre plein la face. Donc là, c'est maintenant qu'il faut faire un changement. Et dans les 5 ans là, il faut vraiment que quelque chose se passe. Élémentaire cette année, c'est un peu compliqué vu que cette année, évidemment, on n'a pas beaucoup beaucoup navigué comparé au programme qu'on s'était fixé. Nous devions aller au congrès de l'ONU sur les océans, bah, avec Catherine, et puis aussi au congrès mondial de la nature de Marseille. Donc, élémentaire, c'est une résidence itinérante autour du monde. C'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, de partage, de réflexion. C'est une sorte de gros think tank flottant à bord de Pendux 6. Et à chaque escale, on définit une thématique, et à chaque thématique, du coup, on invite des personnes, des personnalités qui vont nous aider à répondre à cette question, nous donner justement du savoir, élaborer un nouveau paradigme, trouver des solutions à une thématique. En septembre, par exemple, on fait un tour des îles du Ponant et on va travailler sur le zéro déchet, sur le zéro exclusion, sur le zéro carbone, etc. Et donc, à chaque fois, on a
des artistes, des sportifs, des chefs d'entreprise, des scientifiques, des politiques qui viennent à bord en fonction. Et voilà, en fonction des années, on change. Parce que c'est un projet qui évolue vachement avec le temps, qui évolue beaucoup avec nos parcours de vie, à Théo et moi, et puis à nos rencontres aussi qu'on fait. Donc cette année, on se concentre du coup sur le tour des îles du Ponant pour réfléchir à comment habiter les îles de manière plus durable. Et en 2021-2023, j'espère qu'on pourra lancer une nouvelle campagne et aller faire plus une campagne dans le Pacifique à ce moment-là.